Frédéric Mascolier, maire de Saint-Raphaël, accueillait le 29 avril 2021 Evans Richard, préfet du Var, dans le cadre d'une journée de travail consacrée aux mesures de relance, à la sécurité et aux six grands projets structurants de la ville, dont la requalification du centre-ville et du front de mer, le classement de sites patrimonial remarquables, le nettoyage de la rade d'Aguet, les travaux sur le cours de l'Aguet, l'opération Grand Site Estérel, et l'école hôtelière et le logement d'étudiants. Le programme incluait la visite de plusieurs sites, dont la promenade des Bains, la rade d'Aguet, le massif de l'Estérel, une villa Belle Époque. Cette visite donnait lieu également à la signature de la convention Petite Ville de Demain avec Roquebrune sur Argence, en présence de Frédéric Mascolier, président de l'ACAVEM et maire de Saint-Raphaël, de Jean Quéron, maire de Roquebrune-sur-Argence et vice-président de l'ACAVEM, de David de Harojeau, directeur territorial de la Banque des Territoires. Ce programme mis en place par l'État concerne les communes de moins de 20 000 habitants et implique un certain nombre d'institutions, dont la Banque des Territoires et l'Agence nationale de cohésion des territoires.